Et salut à tous les amis, c'est Geeks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout à fait particulière parce que là nous allons parler du skin Singularité. Le skin Singularité c'est quoi? C'est le skin que vous débloquez à partir de 90 puces. Et pour la suite de cette vidéo, va falloir que vous farmiez ces 90 puces parce que nous allons devoir déverrouiller bien évidemment des couleurs qui n'apparaissent pas bon, normalement comme ça. Mais il y a 5 couleurs à débloquer qui sont dissimulées, excusez-moi, sur toute la map. Nous allons devoir les trouver. Donc encore une fois, hein, je vous explique que si jamais vous n'avez pas ce skin, vous ne pourrez pas débloquer les couleurs parce qu'il va falloir jouer avec elles pour trouver ces casques de couleurs répartis sur toute la map de Battle Royale. C'est parti, on va se lancer ça tout de suite. Et donc pour la première puce, nous allons nous rendre à Pressure Plant. C'est juste ici. Vous voyez, on va se rendre, c'est à peu près vers là. Donc à Pressure Plant, c'est en H3. Voyez, c'est là où se trouve le gros robot en armure. On y va tout de suite. Regardez, nous pouvons déjà l'apercevoir, il est juste ici. Est-ce que ça se ping juste? Eh non. Car c'est propre à ce personnage. Donc vous voyez, hein, c'est le casque rose, hein, de Singularité. Nous allons le fouiller. Et regardez, nous sommes tout rose. Voilà pour le premier skin. Et voilà, et pour cette deuxième couleur du skin, nous allons nous rendre à Loot Lake en environ E4. Ouais, c'est ça, E4. Où nous allons déverrouiller la deuxième couleur, hein, du skin. Hein. Tout simplement, c'est parti, on va se lancer maintenant. Donc nous en sommes à la deuxième couleur. Donc pour ceux qui se demandent, qui se demandent pourquoi le jeu est si moche, c'est parce que j'ai réduit les graphismes pour éviter d'avoir trop de lag. Donc voilà, hein, regardez, en E4, c'est bien là où j'ai ping, c'est identiquement là où j'ai ping. Donc vous voyez, hein, c'est cette couleur du masque. On va ramasser ça tout de suite. Et vous voyez, c'est la couleur à l'effigie de Tomato. Et voilà les amis, et pour cette troisième couleur, nous allons nous rendre à Tilted Tower en D5, environ ici. Donc où est-ce qu'il se trouve? C'est très très simple. La troisième couleur se trouve aux abords, enfin à côté du van de réanimation. Nous allons nous y rendre sans plus tarder. Donc vous voyez le bâtiment qui abrite le van. Il se trouve juste ici. Donc vous voyez, hop, on le ramasse. Et on arbore les couleurs du Der Burger. Et pour cette quatrième couleur, nous allons nous rendre en dessous de Polar Peak dans les débris. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre en C7, un truc comme ça, voilà, c'est ça en C7. Ici. Vers là. Il risque peut-être d'y avoir du monde. Regardez, il se situe juste ici. Et voilà, nous arborons une couleur un petit peu dorée chromée. Et voilà les amis, et pour cette cinquième et dernière couleur, nous allons nous rendre vers ici, pas loin de la plateforme aérienne qui se situe en E6, voilà. C'est pour la cinquième et dernière couleur. Tac, tac, tac. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le gros arbre là. Non, c'est celui-là, regardez, vous voyez là? On le voit, il est juste ici. Donc c'est bien ici, à cet emplacement-là, hein, qu'il est. Donc c'est bien en E6, voilà. On le ramasse. Et on arbore une couleur un peu jungle, un petit peu, voilà, un petit peu jungle comme ça. Et voilà, nous avons enfin les 5 couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Et voilà les amis, nous revoilà pour les différentes couleurs qui sont au total de 6, dont 5 à trouver. Nous les avons tous, nous allons vous les montrer tout de suite. Donc il y a d'abord la couleur de base de singularité que vous débloquez au bout de 4 Anipus. Nous avons la couleur singularité câlin, couleur câlin, hein, du skin nounours là. Nous avons la couleur Rex du dinosaure. Donc vous voyez. Tac. Nous avons la couleur nomade, singularité nomade, qui arbore différentes couleurs, hein, de différents skins différents. Nous avons la couleur du Derburger, hein, vous l'aurez deviné. Donc tac tac tac. Ainsi que la couleur Pizza Pete, que nous avons débloqué aussi. Je vais vous remontrer la couleur de derrière de couleur câlin, hein. Ah là voilà. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.